Bonjour, Marie, accompagnée de son amie poétesse Marilyn Mauger, vous propose aujourd'hui André Laude. Né le 3 mars 1936 à Aulnay-sous-Bois et mort le 24 juin 1995 à Paris, est un poète et journaliste français. On a écrit d'André Laude qu'il était un soleil noir de la poésie. Noir d'une existence, noir du refus anarchiste de se soumettre, noir du désespoir qui a souvent accompagné son existence et qui a contribué à sa fin, soleil de la révolte qu'il a toujours porté très haut, soleil de l'éclairage qu'il a donné de l'œuvre des autres, ami et compagnon trop méconnu, artiste emprisonné et bâillonné, soleil des mots qu'il a aimé. Et voici maintenant. Le petit homme gris a tout envahi. Il prolifère, vermine inexpugnable. Le petit homme dicte la loi, poisson froid, Saint-Jurleur. Je le croise partout sous divers masques. Il a tué ma joie, mon rire d'enfant. Il a brisé mes élans, pur vers les hauteurs, là où l'on peut toucher la transparence. Il a noirci mes matins, ses crimes sont innommables, mais nul trouble en lui depuis la nuit des temps. Je fais la guerre totale au petit homme gris, c'est sans doute lui qui l'emportera. Mais cette guerre-là vaut mieux, bien mieux, que toute paix séparée. Le petit homme gris n'a pas encore gagné. Bonjour, je suis Marilyn Mauger, je suis née le 19 janvier 1967 à Lyon. J'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans des petits poèmes sur les fleurs. J'ai quitté Lyon à l'âge de 12 ans et maintenant j'habite l'Isère. Je suis aide-soignante auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je suis une romantique, une grande rêveuse et j'ai beaucoup d'imagination. Et les images me parlent. Et voici maintenant. Un passé, un souvenir. Le passé revient et je me vois à t'attendre. Ce ne sera pas la première fois que tu ne viendras pas. Comme si j'avais ce pressentiment finalement. Moi, un peu gauche, la bonne camarade de l'école, qui croyait fort que quelque chose aurait pu se passer entre nous. Mais je l'ai seulement rêvé dans ma tête, rêvé de te tenir ta main juste une fois. Ce n'était plus suffisant pour moi de te voir et de t'écouter me parler. Si j'avais fait le premier pas, peut-être que je serais maintenant ton amoureuse. Si seulement tu m'avais fait comprendre que je n'étais pas la fille de tes rêves, je ne me serais pas bercée d'illusions. Ma passion pour toi grandissait de jour en jour, mais tu ne le voyais pas. Et même lorsque je commençais à rougir, tu mettais ça sur le compte de l'âge en me disant « Marie, qu'est-ce que tu peux être innocente ?» Alors je m'inventais de belles histoires juste pour y croire, juste pour me dire que moi aussi j'avais un amoureux, qui prendrait soin de moi par des petits gestes innocents et si beaux finalement. De mon cœur qui battait, à chaque fois que je regardais ton beau visage, à souffrir de ta popularité auprès des autres filles. À ces moments-là, je n'existais plus. Puis la vie a fait qu'on s'est perdu, de vue, à tout jamais. Mais je sais que je ne t'oublierai jamais. Marie et Marilyn Mauger, poétesse, vous remercie et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.